Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, tout va très bien. Le temps, c'est pas trop ça. Et tant pluvieux, tant heureux. Aujourd'hui, je vous amène pas à Disneyland Paris, mais tout proche, dans un hôtel partenaire. Et voici le B&B Hotel. Bienvenue sur Fantastic Story. Vous avez été nombreux à apprécier la vidéo sur l'hôtel Marvel. Du coup, aujourd'hui, rendez-vous au B&B Hotel. Le plus important, on va découvrir la chambre. Allez, c'est parti. C'est parti pour la chambre, 4e étage. Par contre, cette petite carte là, elle a l'air quand même pas trop mal non plus. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ouvre un petit peu l'appétit. On va voir ça après. Vous avez pu le voir sur ces images, la chambre est très spacieuse, très jolie et très agréable. Et surtout, regardez-moi cette vue. Pas mal du tout, non? Petit réveil avec la tasse de café. Quelle vue! C'est joli, hein? C'est reposant. C'est calme, hein, quand même. Hein. C'est vraiment calme. C'est agréable. Maintenant qu'on a déposé nos affaires dans la chambre, on va partir sur le parc, passer une petite journée. Mais juste avant de partir, je vais vous faire un petit tour de tous les services que propose l'hôtel. Pour ceux qui n'ont pas de voiture, ne vous inquiétez pas, vous avez une navette gratuite qui part de la gare de Marne-la-Vallée et qui vient jusqu'à l'hôtel. Et vous pouvez repartir jusqu'au parc Disneyland Paris.
Bonjour à tous, il est 8h du matin. Là, on va aller petit déjeuner. On a super bien dormi, la literie est top. Je me suis endormie directement. On a hâte de voir ce que nous réserve BnB pour ce buffet à volonté. On a trop mangé, je pense qu'on va pas manger de la journée. Très bon petit déjeuner, il y a de tout pour tout le monde. Sucré, du salé, vous avez vu sur les images, c'est un truc de dingue. Pour ma part, c'est la 4e fois que je viens dans cet hôtel et à chaque fois, c'est une belle surprise. Honnêtement, je l'adore. Si vous désirez séjourner dans un autre hôtel qu'un hôtel Disney, surtout n'hésitez pas à venir au BnB Hotel. Moi, personnellement, c'est mon premier choix pour 3 raisons. L'une, pour la proximité. Et oui, il n'est même pas à 5 minutes en voiture du parc. La deuxième, c'est la navette gratuite pour toutes les personnes qui n'ont pas de voiture ou alors qui désirent laisser la voiture sur le parking. Et enfin, le troisième point le plus important, c'est le rapport qualité-prix. C'est l'hôtel le moins cher aux alentours proches du parc. Et en plus, la qualité est là. Et vous avez en plus plein de services sur place. Comme vous avez pu le voir, vous avez un bar qui ferme assez tard. Hier, on est parti vers 23h alors que normalement, il ferme 22h. Les serveurs ont été très gentils, très sympas. C'est très convivial. Le petit déjeuner, on n'en parle même pas, c'est une tuerie, on s'est pété le bide. Malheureusement, là, il faisait pas beau, mais vous avez une super belle terrasse aussi en extérieur pour prendre l'apéro ou pour manger. Et franchement, c'est très agréable aussi. Et pour moi, le plus important dans un hôtel, c'est évidemment la literie. Et ce matelas qui est de marque Bultex, parce que je viens de vérifier sur le site, c'est Bultex et on dort super bien dans ces matelas. J'ai appris que c'était un 2 étoiles, j'étais franchement étonnée parce que avec tous les services qu'ils proposent et la qualité, pour moi, ils méritent bien plus. Pour moi, c'était plus un 3 étoiles. Justement, je ne sais même pas pourquoi il n'a pas 3 étoiles. Après, c'est vrai que je ne connais pas grand-chose en hôtellerie. À savoir que pour récupérer les chambres ici au BnB Hotel, c'est à partir de 15h. Et que le BnB propose aussi des chambres équipées pour les personnes à mobilité réduite. Chose aussi pas négligeable, les animaux sont admis dans l'hôtel. Alors pour ceci, vous avez quelques conditions. Vous devez payer un supplément de 4€. Et évidemment, l'animal ne doit pas rester seul quand vous n'êtes pas dans la chambre. Et franchement, c'est un gros point positif parce que c'est la première fois que je vois qu'un hôtel autorise à ce qu'on amène les animaux avec nous dans la chambre. Figurez-vous que Meiko était censé venir, mais il est en vacances chez ma maman, donc c'était un petit peu... Ah, excusez-moi, j'ai un message. Ah bah justement, quand on parle du loup, c'est ma maman. Ah, bon, je crois que Meiko n'est pas content. Je pense qu'il n'est pas content de ne pas être venu à l'hôtel. Voilà. Ça va être encore la fête à la maison. Du coup, là, on va se prendre une petite douche et on va partir sur le parc pour une nouvelle journée en espérant qu'il fasse beau cette fois-ci hein, parce que hier, on s'est pris la radée encore une fois de plus. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre une petite patte bleue, à vous abonner à la chaîne YouTube et n'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Instagram euro.disney. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!